for me, yeah. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un contexte un peu particulier. Chose promise, chose due. Je vais vous présenter le sketch qui est en fond de cours, comme il faut dire. On va parler potager aujourd'hui. Vous l'avez suivi l'année dernière déjà, et puis même l'année d'avant. Ça fait maintenant la troisième année que je m'y mets, que je suis à fond, et à chaque fois j'essaie d'évoluer sur le sujet. Donc là, vous le voyez derrière moi, aujourd'hui, c'est les carrés de potager qui nous intéressent. Je vais aussi vous parler pas mal du compost, de comment je l'utilise, puisque ça fait depuis cet hiver qu'on composte nos déchets ménagers. Pourquoi on a mis des carrés de potager? Tout simplement parce que l'année dernière, on avait galéré 3000 à cause des arbres qu'il y a derrière, juste au niveau du grillage, et effectivement il y a des racines sous terre, enfin un truc de ouf. On avait bêché pendant 107 ans, je vous invite à regarder la vidéo de l'an dernier, et effectivement sur les récoltes ça avait donné un truc un peu un peu mi-figue mi-raisin, si vous me permettez l'expression. Il faut toujours qu'on cale une petite défamille. Allez, voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse avec les images. Ça c'est le après, donc on rembobine la pellicule et puis on se retrouve dans le garage pour vous présenter un petit peu les petites choses qu'on va mettre en place aujourd'hui. Alors je vais commencer par un petit hall des familles. Les enfants, ça nous change des halls de d'habitude, en même temps ça fait une éternité qu'on en a pas fait par ici. Bah voilà, les nouveaux halls 2020, c'est des halls potagers, des halls le roi Merlin chez nous. Alors on est dans le garage, vous inquiétez pas, c'est le bazar, mais bon c'est un garage hein. Est-ce que quelqu'un chez vous a un garage rangé? Parce que ici c'est pas d'actualité. Bref, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont ces petits carrés de potager, donc c'est le cœur du problème. Je les ai eus chez Leroy Merlin, ils font en dimension 80 par 80, donc un petit peu moins d'un mètre. Et puis ils m'ont coûté 25 balles pièce, en sachant qu'ils existent aussi en 100 par 100 et 120 par 120. Voilà, à voir selon ce que vous avez envie d'avoir comme place dans votre potager. Moi je suis un peu inquiète parce que en fait c'est un carré et il y a 6 planches. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas été en cours de maths, mais sur le papier, je suis un peu perdue, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris des sacs de terreau qui vont avec. J'ai compté que chaque carré, non mais vraiment produit en croix et tout, hein, laisse tomber, à l'ancienne. J'ai compté que chaque carré pouvait contenir 130 litres de matière, donc j'ai pris 2 sacs de 50 litres par carré, ce qui nous fait 8 sacs de terreau. Loulou était vraiment ravi de ma petite commande chez Leroy Merlin, parce que c'est évidemment lui qui a tout porté. Ça m'a coûté le terreau combien? Je crois que c'était 5 balles, un sac. C'était le moins cher chez Leroy Merlin. Mais je suis passée à côté de la petite promo des familles chez Leclerc. C'est Akilou qui m'a mis au parfum, mais malheureusement 24 heures trop tard. Donc voilà, la totale m'a coûté, je crois, 140 balles pour avoir un potager que vous verrez en fin de cette vidéo. Mais bon, je suis assez contente parce que c'est quelque chose qui va nous durer sur plusieurs années, et chez nous c'était assez indispensable, comme je vous disais, à cause des racines et de l'emplacement de ce potager qui est pas ouf quoi. Je poursuis le hall sur le devant de la maison avec les petites choses que mamie m'a concoctées. Est-ce que vos grand-mères aussi elles ont des petites cagettes comme ça? Personne n'a ça dans la vraie vie hein. Donc mamie en fait d'une année sur l'autre elle récupère les pépins de tomates pour préparer ses semis l'année d'après. Donc évidemment moi je sais pas faire ça, mais je suis bien contente de récupérer pas mal de pieds hein. Là je crois que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y a largement de quoi faire. Ils sont un peu fatigués parce que moi j'ai attendu la fin des seins de glace, et c'est vrai qu'il a fait chaud quand même cette semaine. En fait il faisait très chaud l'après-midi, mais il faisait très froid le matin, donc j'étais pas bien, je voulais éviter le gel, et voilà. Bon, je pense qu'ils sont un peu fatigués. Suivez-moi, on poursuit. J'ai aussi récupéré des plants de courgettes. Alors normalement il y en a 4, mais il y a peut-être un plant de courge, de potiron ou de je ne sais quoi qui se serait glissé. Excusez-moi pour les bruits de voiture hein, mais bon je suis devant la maison. Ceci explique cela. Donc il y a peut-être un plant de courge qui s'est glissé, mais comme on peut pas les reconnaître à ce stade là, ce sera la surprise. Ils sont aussi très fatigués, hein, les feuilles jaunes. Je sais pas si c'est un manque d'hydratation ou si c'est un trop plein d'hydratation, mais ils vont être bien contents d'être mis en terre aujourd'hui. Donc ça c'était pour les surprises de mamie. De mon côté j'ai racheté des concombres, j'en avais pas mis l'année dernière, je crois pas, mais du coup là j'en ai trouvé 4 chez Ami Vert. Je suis bien contente parce que on en mange beaucoup, donc il faudrait que ça marche. Je vous montre rapidement, mais au bout j'ai acheté aussi un pied de fraisier, puisque les autres ont bien repris et il y avait un trou au bout, donc voilà, je l'ai comblé tout simplement. Et puis on termine juste en bas avec le pied de rhubarbe que j'avais bien mis à l'ombre pour pas qu'il s'abîme trop. J'ai hâte parce que j'ai le souvenir de chez mes grands-parents d'avoir des gros pieds de rhubarbe qui prennent et qui reprennent d'une année sur l'autre. C'est un peu le même principe que les fraisiers, et ça j'adore. Donc on va lui trouver une petite place. Et ça ce sont les petits aromates que j'ai pris pour le devant de la maison, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a du basilic, de l'estragon, de la menthe et de la ciboulette. Donc la rhubarbe, les aromates, les concombres et le fraisier, ça m'a coûté 25 balles chez Ami Vert, ce qui n'est pas très cher. Et le reste, c'est donné par mamie.
Bon, c'est bon, on a compris le principe assez vite. En fait, il y avait même carrément 8 planches. Mais vous voyez, au-dessus, ce sont des demi-planches qu'il faut imbriquer dans les grandes. Donc voilà. Bon, écoutez, ça s'est fait sans trop de problèmes. Je voulais vous montrer qu'on avait préparé la terre il y a 2-3 jours. Qu'on avait juste à rebêcher un petit peu ce qui était resté de l'année dernière et retirer surtout toutes les mauvaises herbes. Il y a pas mal de caca de chat aussi, donc on est content, ça fait de l'engrais. Et voilà, du coup, on va rajouter le terreau par-dessus cette terre de l'année dernière qui n'était pas ouf. Mais normalement, si on l'enrichit année après année, ça devrait donner quelque chose de pas trop mal. Bon, voilà ce que ça donne. Je suis bien contente, ça rentre dans ce qu'on avait prévu. On avait même prévu trop large. Alors tant pis pour nous, puisque là, cette partie-là, c'est vraiment la partie pour laquelle on avait le plus galéré avec les racines et le lierre et tout. Mais c'est pas plus mal, ça nous laisse un petit espace au fond pour nettoyer mieux en temps voulu. Donc voilà, on a essayé d'imbriquer tout ça correctement et on va passer au compost. Bon, voilà le compost que je vous avais déjà présenté, je crois que c'était en cadeau de Noël ou peut-être d'anniversaire. Je vous remettrai la vidéo en question. Donc c'est une niche comme ça en bois et vous avez une petite ouverture en bas pour récupérer le compost le plus vieux, si je puis dire. Enfin, les choses qui ont le plus composté. Donc si on l'a eu à Noël, j'ai dû le commencer en janvier. On voit d'ailleurs les petites erreurs de débutant puisqu'il y a des coquilles d'œufs entières. Maintenant, je les écrase pour que ça composte mieux et plus vite. Donc voilà, c'est tout, il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, on récupère un petit peu le fond. Vous voyez, c'est pas vraiment du terreau quoi. Et en plus, il y a un mélange de déchets ménagers avec les épluchures et un mélange de déchets de jardin avec la tonte de la pelouse. Voilà ce que ça donne un petit peu comme matière. Donc je pense que ça va quand même aider à enrichir la terre, voire la protéger. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit plus sec pour protéger en surface. Vous savez, pour faire un espèce de paillage. Mais ça, je vous expliquerai tout à l'heure comment je compte faire ça. Donc là, ça va vraiment être une base entre la terre actuelle et le terreau qu'on va rajouter. Je sais pas du tout si on fait bien, hein. Si vous y connaissez mieux, vous nous le dites et vous nous conseillez pour les prochaines années, bien sûr. Bon, je vous filme maman qui travaille, mais je fais 2-3 trucs quand même entre deux, hein. Pas qu'on dise que je fous rien pendant qu'elle travaille dur. Voilà ce que ça donne. Donc on mélange un petit peu avec la terre existante, comme je vous disais. On se rend compte là, du coup, à l'utilisation que le mélange est pas hyper... pas encore assez frais, je pense. Soit c'est parce qu'il y a trop d'herbes de tonte, de pelouse, soit c'est parce que c'est pas les bons fruits, enfin les bonnes épluchures. Par exemple, je remarque que la banane composte vachement mieux que les coquilles d'œufs, à tout hasard. Mais voilà, mais je pense que ça va quand même faire du bien. Écoutez, de toute façon, c'est un test. Encore une fois, si vous avez des conseils... on est preneur. Bon, ben voilà ce que ça donne avant plantation. Je suis trop contente. Mes calculs savants de 50 plus 50 inférieur à 130, ben ça s'est avéré correct. J'en ai même gardé un petit peu pour les aromates que je vais mettre plutôt sur le devant de la maison. Donc là, on va planter, c'est parti quoi. Canon, 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 canon. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller voir les vlogs de l'année dernière parce que c'est le jour et la nuit quoi. Je suis trop contente. Donc, au fond, on a mis une petite rhubarbe parce que c'était le carré qui est le plus à l'ombre, enfin tout est relatif, mais au fur et à mesure de la journée, c'est vrai que l'ombre arrive à cet endroit. On a quand même calé 4 tomates aux 4 coins parce que on s'est dit que la première année, la rhubarbe, elle allait pas non plus prendre tout le carré. Donc voilà, mais on a quand même planté en plein milieu parce qu'à mon avis, au fur et à mesure, ça va prendre de la place et j'en suis ravie, ravie, ravie. Le reste des tomates est ici. On a déjà mis un peu les premiers tuteurs, mais c'est vraiment des bouts de bois histoire de commencer quoi. J'en ai des plus grands pour la suite. On a bien tassé et là, je vais arroser juste derrière. Par contre, je reviendrai ce soir pour arroser à la fraîche, j'ai envie de dire, parce qu'à mon avis elles ont vraiment vraiment besoin d'eau en ce moment. Il faut vraiment le faire à fond tous les matins, tous les soirs si possible. Il fait assez chaud chez nous en ce moment. Et puis dans les deux autres carrés, j'ai mis donc deux plants de courgettes au fond et deux plants de concombres devant. Je les ai mis un peu en quinconce parce que vous voyez ce côté là à gauche, il va être plus ombragé que à droite, donc comme ça on met pas tous les œufs dans le même panier. On essaye qu'il y en ait au moins un qui soit bien quoi. Comme ça je verrai pour l'année prochaine lesquels s'en sont le mieux sortis et comment il faudra les positionner les prochaines fois quoi. Donc voilà, je suis trop contente, franchement je suis ravie, ravie, ravie. Je vous retrouve devant pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Pas du tout, j'ai oublié de vous dire un truc. Donc on reste de ce côté-là du jardin. Je vous ai pas parlé du paillage que je vais pas mettre aujourd'hui parce que je vais utiliser la prochaine tonte de pelouse qui devrait pas trop tarder à mon avis d'ici 15 jours. Je vais
vais garder l'herbe coupée, je vais l'étaler sur une bâche ou sur un sac en plastique, enfin bref, pour que ça sèche à fond. Et après, je vais l'étaler autour des pieds de chaque plante. Ça permet normalement d'éviter déjà les mauvaises herbes qui poussent. Alors là, on n'est pas trop embêté parce que c'est du terreau, donc logiquement, on est tranquille avec ça. Mais ça permet aussi de garder au chaud si jamais les températures baissent à un moment. Ça permet aussi de conserver l'eau, tu sais, de garder l'humidité quand vous arrosez, ça tient l'eau plus longtemps. Enfin bref, ça sert à plein de choses. Donc c'est ce que je vais faire d'ici 15 jours, 3 semaines. Donc je peux pas trop vous le montrer maintenant, mais suivez-moi sur Instagram si jamais vous avez envie de voir comment ça évolue. En tout cas voilà, bien contente. Alors on a fait le premier avec le basilic là-bas. Je vais vous montrer l'étape, toutes les étapes. Vous voyez qu'au fond on met d'abord des granulés. Ça permet de retenir l'eau. C'est ça la maman? Je sais déjà plus ce qu'elle m'a dit. Voilà, c'est ce genre de truc qui garde l'eau au fond du... Quand tu mets trop d'eau dans la terre, ça va dans les... Ça va dans les granulés. Voilà. Bon, vous avez tout compris. Ensuite, on enchaîne avec un feutre comme ça. Déjà, ça permet d'éviter les petits pots en plastique. Et c'est le même principe. C'est juste pour que la terre, elle aille pas dans les granulés au fond. On rajoute un petit peu de terreau. Au fond. Le terreau qu'on avait gardé du potager. On va enchaîner avec notre pot d'estragon. Donc vous voyez, maman, elle... comment tu dis ? J'enlève un petit peu les racines. Voilà, pour que ça puisse reprendre, surtout quand vous replantez en terre, ça marche bien. Mais là aussi, voilà, de libérer un peu les racines au fond pour que ça puisse mieux reprendre avec le terreau qu'on vient de mettre au fond. Donc voilà, là, je vais couper la caméra parce que maman va avoir besoin de moi. On va rajouter du terreau sur les côtés et ensuite on va fignoler en coupant le filtre qui dépasse. Voilà, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin de le voir. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, on a au fond de l'estragon, de la ciboulette. Donc, l'estragon pour faire des rillettes de thon, la ciboulette pour des salades, de la menthe pour faire du thé et du basilic pour les tomates, n'est-ce pas? Je voulais trouver de la coriandre, mais j'en ai pas trouvé chez Ami Vert, donc tant pis pour cette fois. Vous avez vu, on a changé de tactique par rapport à l'année dernière. Je les ai positionnés sur le devant de la maison parce que l'année dernière, ils étaient vraiment en plein soleil l'après-midi et ça leur a pas plu, notamment quand j'étais partie à Lille quelques jours. Le loup avait pensé à arroser le potager, mais pas forcément les aromates. Et en plus, comme on baisse parfois le volet pour garder la maison au frais et tout, enfin franchement, ils étaient pas bien. Là, je pense qu'elles auront un peu plus de place. Et voilà, on va bien s'en occuper. On va leur parler, tout ça. Enfin, ça va être chouette. Le basilic, c'est un basilic frisé ou je sais plus. Enfin, c'est pas un basilic normal. Hein. Ça fait pas des grosses feuilles comme on en a l'habitude. Mais je pense que ça ira très très bien quand même avec nos petites tomates. Bah, je vous laisse parce que ça discute sec en bas. Je sais pas si vous les entendez. Enfin bref, je vous retrouve pour conclure cette vidéo. C'est l'heure de la conclusion, les enfants. J'ai pas bougé d'un iota depuis l'introduction. Bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'était un petit peu à l'urlure, comme on dit chez moi. C'est-à-dire qu'on a essayé des choses qu'on maîtrisait pas forcément. Encore une fois, comme d'habitude, je fais ce genre de vidéo pour vous montrer comment moi, je teste. Mais n'hésitez pas, si vous avez des conseils, si vous êtes plus avancé sur le sujet et que vous avez des grands-mères qui maîtrisent le compost, par exemple. Parce que moi, mamie, elle est au taquet sur plein de choses, mais le compost, pas trop. Donc, bon, écoutez, on a fait comme on pouvait. Donc, j'attends vos conseils pour les prochaines années. Et nous, on va croiser les doigts pour les petites courgettes, les petits concombres. Et puis, on se fera peut-être des prochaines vidéos recettes. Qui sait, un petit tzatziki. Est-ce que vous... J'en peux plus, moi si j'ai le cadreur qui me lâche, on va pas s'en sortir. Les enfants, en tout cas, je vous embrasse très très fort, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.